Attendez, je viens de me rendre compte d'une dinguerie. Je viens de me rendre compte d'une dinguerie. Donc, j'ai acheté le nouvel iPhone, ok? Qui se souvient que j'ai pété mon chargeur en marchant dessus pour prendre la patrouille de France en photo? Tout le monde. Ok, donc j'ai acheté ça, 70 euros. Vous vous souvenez? Ok, le chargeur, il est pas compatible avec l'iPhone 15 Pro Max? C'est une plaisanterie. Non, fous-moi. Attendez, moi je pensais que c'était le même. C'est vraiment, mais... Putain, mais c'est business en fait, les iPhones, c'est un truc de ouf. Hein. Je me disais bien, il y a un truc... Eh, mais je suis choquée. Eh, mais je suis choquée en fait, c'est pas du tout, du tout le même. Vas-y, ça me saoule en fait. Vas-y, j'ai mis 70 euros dans un chargeur, ça m'en fout. Bon, bref, passons à autre chose. Je passe du coq à l'âne complet. Mais je voulais vous dire, vous voyez, je vous avais dit mes ongles et tout, j'aime pas, c'est naturel. Bref, j'ai pas l'habitude de laisser mes ongles comme ça. Mais en fait, avec la box, donc, genre j'avais mal aux ongles et je ne comprenais pas pourquoi. Regardez mes doigts. Là, j'ai pas. Regardez les bleus que j'ai sur les ongles. Et ça me fait mal. Et mon ongle, en fait, il est pas mort. Enfin, j'en sais rien, mais il se plie de ouf. Ça me fait super mal, mais il se plie de ouf. J'ai des bleus sur les ongles. Et ça me tue. Les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, comme promis, ce matin, je vous fais le haul du coup de ce que j'ai acheté chez Zara hier, que ce soit en boutique ou sur le site. On commence avec ce pull. Donc, j'ai pas acheté le jogging là hier, mais je crois qu'à 90%, c'est un Zara. Bref, donc en plus, ça va parfaitement ensemble. J'ai pris ce pull, donc bimatière. Bon, il est pas repassé, je vous le montre comme ça direct, mais ce sera beaucoup plus beau déjà repassé. Mais il est super beau. Franchement, même avec un jogging là, comme je vous le montre, ou même un jean et une paire de baskets, ça fait vraiment l'affaire. Donc, ce pull, je valide. Vous savez, je vous ai dit il y a quelques jours, j'ai une passion pour les bodys. J'avais trouvé ces deux-là sur le site. Faites pas attention à ma coupe parce que je vais au sport, donc je me suis pas du tout coiffée. Bref. Donc j'avais vu ces deux bodys, j'ai le même en blanc là juste derrière, mais je tente pas d'essayer parce que je vais faire une tâche de maquillage, merci, j'ai pas envie. Donc je l'ai essayé en bleu marine, la matière elle est incroyable. Bon, on voit un peu à travers, moi personnellement ça me dérange pas du tout, mais j'ai associé du coup avec ce jean que j'ai vu en boutique hier, effet tie and dye, et je suis ultra contente parce que de mes 1m72, c'est la première fois qu'il y a un jean qui m'arrive pile. Nickel pour mettre des baskets. C'est soit trop long, soit mettre des talons, machin, sinon ça traîne. Soit il m'arrive, c'est un pantacourt. Donc franchement, je suis trop contente. J'adore. Ça, c'est typique les tenues que je vous disais, ce que je vais saigner cet hiver. Donc j'adore. Avec un blazer, nickel. Ici, j'ai gardé le même jean. J'ai changé juste de haut. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce petit haut-là que j'ai vu en boutique. Trop, trop beau. Franchement, hyper original, vous voyez comme ça. Même j'ai essayé avec une chemise dans la cabine et ça faisait vraiment trop joli. Donc autant avec une chemise ou avec rien comme ça là, je vous montre. Bah, je trouve que franchement, il est super beau ce pull. Il tient bien chaud en plus. Bon, par contre, il me semble qu'il coûte un rein. Ah non, 25 euros, ça va. Ouais, ça va en plus pour la matière et tout, franchement trop bien. Donc lui, vraiment, coup de cœur. Je continue avec cet ensemble. Je trouvais hyper classe parce que c'est un pantalon donc à pince. Et j'ai trouvé ce pull à col roulé, donc vraiment les basiques de l'hiver. Regardez, j'en ai pris, je vais réussir à pointer du doigt. J'ai pris un bleu marine et un marinière, je vais vous le montrer porter. Mais j'adore vraiment, j'ai deux passions l'hiver, c'est les bodys et les cols roulés comme ça, fins, qu'on peut mettre avec blazer, manteau, enfin tout. Donc là, ensemble gris comme ça, ça fait super beau. Vous mettez un blazer blanc pour faire ressortir. Canon. J'ai enfilé juste un jean que j'avais déjà, qui n'est pas à moi mais qui vient de Zara, avec donc du coup le col roulé comme ça bleu marine, mais il pète beaucoup plus en vrai, il est vachement plus bleu roi, parce que là ça fait vachement foncé sur la vidéo, mais ouais, en vrai il rend mieux en fait. Du coup, le petit dernier col roulé, franchement j'adore, les marinières c'est, je trouve trop trop beau et je trouve ça ultra chic, et celui-ci franchement il est canon, j'adore. Donc nickel, tout me va. Il me reste un gilet, je vous montre comment ça donne avec cette tenue justement. J'ai trouvé ce long gilet en boutique, je le trouvais vraiment trop 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 joli. Alors honnêtement, peut-être pas avec cette tenue ou alors le jean, je trouve que, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas. Donc je pense avec une petite chemise blanche simple, un jean ou même de couleur noire, ça fera bien ressortir le gilet, mais en tout cas je le trouve vraiment ultra canon. Genre la matière, c'est hyper chaud, c'est comme un manteau.
Je vous jure que vraiment, il est trop trop bien ce gilet. Il est trop beau. Avec le col comme ça qui tombe sur les épaules, ça fait vraiment canon. Trop beau. Je sens que ma mère va me le piquer. Voilà pour finir le haul, ce manteau. Alors j'adore, vraiment, c'est totalement mon style, etc. Mais est-ce qu'il y a des filles qui l'ont vraiment, qui l'ont déjà acheté, pardon. Est-ce que ça tient ça? Parce que j'ai un petit doute là. En faisant le nœud, je me suis dit, ouais, tout le monde ça pète. Mais sinon, il est vraiment canon. Hyper doux, il est bien épais. Il est trop, 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 trop beau. Bon, bien sûr, quand il y a un manteau comme ça qui se serre à la taille, il faut jamais mettre un gros pull en dessous parce que ça fait vite... voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça fait pas beau, ça fait pas élégant. Ça marque pas la taille, du coup, c'était un gros pull. Mais franchement, là, il est trop beau. Trop, trop beau. Donc, si vous me dites que ça tient bien la route, je le garde. Si vous me dites c'est de la merdasse, ça repart. Bon mes bobies, je suis en direct de la boutique Bleu Libellule. Je suis hyper contente parce que je suis en collaboration avec eux. Et vous le savez, je vous le dis très souvent, je n'aime pas habituer mon cheveu au même produit, au même gamme, même si j'ai mes préférences. Mais là, je viens de découvrir la marque Maria Nila. Donc je vais prendre cette gamme-là. En plus, c'est le coffret Noël, je vous montrerai ça. Mais je suis hyper contente parce que vous qui me demandez souvent ce que je fais pour entretenir mon blond, cette gamme est faite pour, elle est en plus vegan, donc c'est un plus. Et je suis hyper contente parce que j'ai appris plein de trucs. Sachez qu'en tout cas, Bleu Libellule, je vous disais, sachez que Bleu Libellule sont experts en coiffure et en conseil. Vous avez des routines personnalisées et en plus, il y a vraiment tout pour les professionnels. Il y a plein de gammes exclusives, notamment chez eux. Comme je vous ai dit, la gamme que moi j'ai découvert. Et regardez, derrière moi, il y a tout. Vraiment, c'est un rêve pour les femmes, je vous jure. C'est en plus, au dernier étage, vous avez un espace dédié uniquement pour les professionnels. Là où je suis, donc c'est Bleu Libellule, place de la Bastille. Il y a 4 étages. Je vais vous faire un petit récap après où je vais vous montrer ce qu'il y a à tous les étages. Mais le dernier étage, trop trop bien pour les professionnels parce que c'est dédié qu'à vous. Donc ça, c'est trop cool et vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Genre moi, je sais que là, c'est le bonheur pour une femme ici. On trouve tout ce qu'on veut, les cheveux, les ongles, pour la peau, le maquillage. Moi, j'ai été ultra gâtée. Je suis trop trop contente. J'ai hâte de tester tout ce que j'ai reçu de leur part. Et je suis ultra contente parce que je sais que ça va vous plaire.